matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 28 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, eh bien, l'affirmation positive pour cette journée, en changeant mon monde intérieur, je change mon monde extérieur. Mais c'est tout à fait vrai, hein, si vous changez votre monde intérieur, eh bien, ça se verra à l'extérieur. Si vous êtes fermé, ça se voit à l'extérieur. Si vous êtes ouvert, si vous avez un visage ouvert, ça se voit à l'extérieur. Donc voilà, en changeant mon monde intérieur, je change mon monde extérieur. C'était l'affirmation positive pour cette journée. Et aujourd'hui, j'ai pigé « demander ». Ah oui, je demande ce qui est bon pour moi. Je vous le dis souvent, hein, de demander aux anges, demander à l'univers. Lorsqu'on ne demande rien, on n'obtient rien, on n'a rien. Vous savez, demander, eh bien, c'est la première étape du processus de manifestation de votre désir. Et aujourd'hui, pour certains d'entre vous, il est temps, oui, présentement, il est temps de vous concentrer sur ce que vous désirez être. Qu'est-ce que vous désirez être? Faire ce qu'il vous plaît et avoir ce que vous désirez. Posez-vous cette question, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui? Et pour obtenir ce que vous voulez, il n'y a qu'une chose à faire, il faut le demander. Si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien. Le fait de demander, eh bien, cela vous permet d'éclaircir vos besoins réels et vos désirs profonds. Et pour savoir ce que vous voulez réellement, vous pouvez vous baser sur ce que vous ne voulez pas ou sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Les expériences que vous vivez, les contrastes que vous rencontrez, vous permettent de vous poser cette question. Si je ne veux pas cela, alors qu'est-ce que je veux? Alors je vais vous demander de prendre le temps de répondre en laissant monter votre désir profond et réel. Et ensuite, eh bien, vous pouvez affirmer votre réponse en vous demandant pour quelle raison je veux cela. Et que ça soit dans votre, dans le milieu professionnel, sentimental, familial, amical, n'est-ce pas? Il y a toujours une motivation derrière un désir. Et une fois que, eh bien que vous avez déterminé votre désir profond, n'est-ce pas? Demandez tout simplement et adressez-vous à l'univers, adressez votre demande à l'univers, adressez votre demande à la source, à notre créateur, à Bouddha, si vous êtes bouddhiste, si vous avez dans la croyance bouddhiste, à votre guide, à vos anges, aux archanges, à votre inconscient, n'est-ce pas? Peu importe le nom que vous lui donnez, mais demandez. Demandez à cette partie divine qui est en vous, qui est vous. Vous pouvez demander, soit à voix haute ou à voix basse, mentalement, par écrit, si vous le désirez, peu importe la méthode, n'est-ce pas? Utilisez celle qui fonctionne pour vous, tout simplement. Demander est la première étape du processus de création. Pour demander, utilisez « je » et après le verbe au présent. N'utilisez pas le futur ni la négation, sinon, eh bien, votre demande ne se concrétisera pas. Ça ne se concrétisera jamais si vous êtes dans le négatif et dans le futur.
Il faut toujours demander l'instant présent et le je. Le présent, c'est très important. Petit exemple. Je suis heureux d'obtenir un nouvel emploi. Mais vous ne l'avez pas encore, n'est-ce pas? Mais, voyez, je, le je et le présent, comme si vous l'aviez. Je suis heureux d'obtenir un nouvel emploi. Vous pouvez dire, au point de vue d'une maladie, je suis heureuse ou heureux d'être en pleine santé. J'attire en ce moment même un nouveau partenaire et j'en suis reconnaissant. Ou alors aussi, comme exemple, je suis en paix et en harmonie avec moi-même et les autres. Gratitude. Voyez, j'ai réussi mon permis de conduire, par exemple. Voilà. Décidez maintenant de demander ce qui est bon pour vous. C'est ce que je fais tous les soirs. À mes anges, je demande, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Montrez-moi ce que je dois connaître et ce qui est bon pour moi. Et vous pouvez l'avoir en rêve, n'est-ce pas? Évidemment. En tous les cas, demandez. Demandez soit avec une prière, demandez avec un mantra. Ayez beaucoup d'énergie quand vous faites votre demande. Demandez des messages. Vous pouvez demander des vœux aussi, n'est-ce pas? Mais il faut demander, parce que si vous ne demandez pas, il n'y a rien qui se passera. Alors, quelques affirmations positives. Je sais ce que je veux et je le demande. Voilà. Vous savez ce que vous voulez, que ça soit dans la partie professionnelle, amoureuse, relationnelle, amicale. Vous savez, donc vous demandez. Vous savez ce que vous voulez. Je reconnais clairement mes besoins et je les respecte. Affirmation positive, j'adresse facilement ma demande à l'univers et je suis toujours entendue. Chaque nouveau contrat m'aide, n'est-ce pas, à déterminer ou à réajuster mes désirs. Alors, dernière affirmation, je demande toujours ce qui permet de m'épanouir et de me réaliser. L'énergie se dirige là où vont mes pensées. Ayez toujours des pensées positives. C'est important. C'est important. Eh bien voilà, beau message encore, hein, demander. Si on ne demande pas, on n'obtient rien. C'est la même chose, si on ne risque rien, on n'a rien. Il faut risquer pour savoir si on peut obtenir. Donc voilà. Allez, je termine avec le petit oracle des fées. Et aujourd'hui, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et bien voilà, c'est le petit message des fées. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.